إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد. Alors très heureux de vous retrouver Mes chers frères et sœurs, alors non, pour les paiements Revolut, j'ai un petit souci depuis plusieurs semaines avec Revolut. Donc, c'est plus possible de pouvoir participer euh, au séminaire via Revolut. Au pire, ceux qui veulent vraiment me soutenir, ils m'écrivent en privé sur, sur mes comptes, sur mes différents réseaux sociaux et je leur donnerai euh, un moyen de, de paiement, inshallah Sinon, il y a PayPal pour euh, la solution la plus simple. Et comme à l'accoutumée, je ne peux débuter ce séminaire sans remercier, justement, comme je l'ai dit, la dizaine de, de frères et de sœurs qui ont participé financièrement à ce séminaire, parce que c'est très souvent que vous me remerciez à la fin des séminaires de vous donner de mon temps, mais comme je le rappelle, sans, ces, sans Allah en tout premier lieu, puis sans ces nobles frères et sœurs qui font l'effort de, de participer euh, financièrement à ces séminaires, je ne pourrais pas continuer euh, à vous proposer... Euh, euh, des séminaires comme ça ouverts à tous. Donc là, on est, on est plus de 180. Alhamdulillah, on a eu 10 participations. S'il n'y avait pas eu ces 10 participations, ce genre de séminaire ne pourrait avoir lieu, ne serait-ce que pour couvrir les frais de Zoom, <coughs> qui n'est pas gratuit. Comme j'espère je je, que vous vous en doutez. Donc Allah les récompense et qu'Allah récompense ceux qui n'ont pas pu participer par manque de moyens, mais qui ont la volonté. Quoi qu'il en soit, ce séminaire va porter sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, vous savez que nous avons déjà dispensé des cours à ce sujet sur YouTube dans une playlist éponyme « La biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam » sur laquelle nous nous sommes appuyés pour support sur le livre « Murtasar Siratin » Alayhi wa alayhi wa le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrit par qui Alors bravo Ryan Chaouche, <laughs> qui a répondu avant même que je pose la question. Qui d'autre que Ryan sait par qui il a été écrit le livre que nous avons euh, enseigné sur YouTube, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Alors je vois qu'il n'y a eu que Ryan au final qui a eu la bonne réponse. Bravo Ayoub également. Bismillah. Bravo Ammar. Il a été écrit par Abdel Ghani al-Maqdisi. Qui est l'auteur de quel autre ouvrage très connu Et également pour les débutants. Bravo Ayoub. Très bien. Bravo Mohamed Ali. Cet imam, Abdel Ghani al-Maqdisi, a aussi écrit Umdatul Ahkam » qui est l'un des premiers livres qu'on étudie dans le Hadith et notamment le Hadith d'un point de vue fiqh, d'un point de vue jurisprudence. Donc, ce livre que nous avons étudié sur YouTube, c'est un concis, c'est un résumé de la biographie du Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Parmi les livres résumés de la biographie du Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, il y en a un que nous avons modestement traduit. J'ai traduit l'explication de Shir. Abd al badr d'un livre sur la biographie du Prophète sallallahu alaihi wasallam lui-même concis et qui s'appelle. Alors, qui sait comment il s'appelle et qui connaît l'auteur Comme ça, vous si je vous dis tout ça, c'est pour que vous preniez des notes, bien entendu, mes frères et mes sœurs, afin que vous ayez des références pour pousser la lecture plus loin une fois que le séminaire sera terminé et que votre appétit n'aura pas été contenté et que vous souhaiterez pousser encore plus loin la biographie et lire toujours plus d'ouvrages relatifs à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa Alors, personne ne sait quel est ce livre que j'ai traduit en français aux éditions Al-Kutub sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, expliqué par euh, Abdel al-Badr, ah, bravo à Ariad qui m'a apporté la bonne réponse. C'est Al-Urjouza Al-Mi'ya. Et qui a été écrit par qui Al-Urjouza Al-Mi'ya, qui est un poème de base. Hein Al-Urjouza Al-Mi'ya, c'est un poème de base. Nous, on l'a ré, réintitulé pour faciliter, pour que ce soit plus parlant aux francophones, aux lecteurs francophones. On l'a réintitulé La biographie du meilleur des hommes, mais de base, son titre, c'est Al-Urjouza Al-Mi'ya. Qui en est l'auteur alors, je vais vous aider, c'est le plus grand commentateur de la Aqidat Tahawiyya. Le plus grand commentateur de la croyance de l'imam Al-Tahawi. Bravo Yassine. Ibn Abil Al-Hanafi. Rahmatullahi Alayhi. Ça, c'est aussi, malgré l'explication de Sheikh Abdurrazak al Al-Badr, sur ce poème. Ça reste un livre très concis pour ceux qui l'ont à la maison, vous saurez à quel point il est facile à lire. On a un deuxième livre qui est édité chez, chez nos amis de Minhaj al et qui s'appelle Al-Fusoul. Al-Fusoul, c'est un autre Fisiratir Rasoul, bien entendu. Les chapitres sur la vie du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, je ne sais pas comment ils l'ont réintitulé en français, mais en arabe c'est ainsi et qui a été compilé par qui, à votre avis Qui sait par qui il a été écrit ah, Bravo Buzkozar, bravo Yassine, bravo Naël. Celui-là, il a été écrit par Ibn Kafir. Ibn Kafir que vous connaissez tous, je suppose, le grand exégète et le grand muhadith Ibn Kafir, élève de l'imam al élève de l'imam ibn Qayyim al-Jawziyah, lui-même élève de l'imam ibn Taymiyah, rahmatullahi ala al jamia donc vous voyez, vous avez déjà pas mal de bonnes références ici. al fusul d'Ibn Kafir, Al-Urjouza, pardon, al miya d'Ibn abil al-Hanafi. Qu'est-ce qu'on a dit en tout premier sirat Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Ghani al-Maqdisi. Ce dernier, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais les deux premiers que je viens de vous citer, ils sont traduits en français. On a bien sûr le nectar cacheté. Ar-Rahiq al-Maktoum de Mubarakpuri que vous connaissez tous et qui est effectivement l'un des meilleurs ouvrages et les plus étoffés sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Zadoul Ma'ad me dit, notre frère ou notre sœur B, ce n'est pas réellement un livre de, de, de biographie à proprement parler, c'est un, un énorme ouvrage qui traite d'énormément de choses sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Mais effectivement, on pourrait, pour ceux qui ont un certain niveau, le recommander pour en savoir plus sur le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Du coup, à votre avis, enfin, je vous pose la question, même si on l'a déjà dit en présentation de ce séminaire sur les réseaux sociaux, quel livre est-ce que l'on va étudier ici eh ben, On va étudier un autre livre que nous n'avons pas cité, dans ces exemples-là, un livre que je n'ai pas traduit, que je n'ai pas expliqué sur YouTube, afin que vous ayez comme je vous le dis toujours plusieurs références différentes pour un seul et même sujet. Comme je vous ai dit quand vous avez étudié un livre, au lieu de refaire l'étude de ce même livre avec le même auteur et le même commentateur, changez de commentateur. Et vous verrez que vous en retirerez encore plus de fawaid, encore plus de perles. Donc ce livre que nous allons faire, il s'appelle en réalité L'imam An nawawi rahmatullahi alayhi, n'a pas écrit ce livre de manière individuelle sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Effectivement, certains, euh, certaines maisons d'édition et certains, euh, certains gens de science ont eu la bonne idée de prendre une partie... De la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam contenu dans un certain livre de l'imam al-nawawi pour l'extraire et l'imprimer en tant que tel, juste la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam écrite par l'imam al-nawawi, savez-vous en réalité, c'est un chapitre d'un livre, savez-vous quel est ce livre? Quelle est cette partie? Quelle est cette partie de quel, c'est une partie de quel livre? qu'a écrit l'imam An nawawi et qui retrace de manière très concise et résumée la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vous avoue que c'est une question très difficile, bien entendu. Il faut vraiment être un expert et, ou un grand fan... Il y un grand amoureux de l'imam al-Nawawi, alayhi. L'imam al il a écrit un livre qui s'appelle « Tahdhibu asma' asmai wal-lurat ». Donc un petit peu correction des noms et des langues. Des langues dans le sens, voilà, un mot là, ce mot compliqué de telle ville qu'on retrouve dans le hadith, qu'on retrouve dans le coran ce nom de telle tribu qu'on retrouve dans le coran qu'on retrouve dans tel hadith, comment il, comment il s'appelle réellement Quelles sont les déclinaisons quelle est la déclinaison correcte? Est-ce que c'est une d'Amma ou c'est une fatra? Etc., etc. Donc c'est un gros livre, enfin, c'est un tome sur euh, les noms de villes, de pays, de personnages, etc. Et donc, comment débuter sur les noms de certains personnages autrement qu'en introduisant le livre par le meilleur personnage qui ait jamais foulé le sol de cette planète? N'est-il pas notre bien-aimé messager Mohammed sallallahu alayhi wa ala wa sallam. Donc du coup, il s'est attelé à dresser une courte et concise biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et cette biographie, donc certains, certaines maisons d'édition l'ont extraite de ce livre pour l'imprimer de manière individuelle. Donc, moi, la version que j'ai, elle a été intitulée « Tahdhib al Siran » puisque la base, c'est que le livre, il s'appelle « Tahdhib al-Asma al ». Donc là, c'est devenu « Tahdhib al Siran ». Mais en réalité, ce n'est pas un livre écrit par l'imam al-Nawawi en tant que tel. C'est une partie de son livre. Et à ma connaissance, ce livre-là que nous allons enseigner, d'où la pertinence du séminaire, inshallah ta'ala, et Allah nous, nous, le, nous le facilite et nous le bénisse, euh, il ne me semble pas qu'il ait été euh, traduit en français, mais vous me corrigerez si c'est le cas, car j'ai une très mauvaise connaissance euh, de la littérature française. C'est-à-dire, je, je ne suis pas du tout, ne lisant pas en français, je ne sais pas du tout ce qui sort en français, ce qui est sorti, ce qui existe, etc. Alors, on me dit qu'il a été euh, traduit par les éditions Taouba, il y a Mohamed Ali qui nous dit qu'il s'appelle L'essentiel de la vie du prophète. Ah ben C'est une très bonne idée si, si, les, si les, la maison d'édition Taouba, qui en plus est une maison assez fiable, s'est attelée à le traduire. Du coup, nous, nous n'allons pas uniquement euh, nous contenter de le traduire en direct, chose que nous faisons pour tous nos séminaires et tous nos cours sur YouTube. Depuis le début de ma da'wah, ça n'a été que ça. Je prends un livre de savant. Et je vous le traduis en direct. Mais ici, nous allons l'agrémenter de certains commentaires de notre chir bien-aimé, Mohamed Mezienne d'Alger, pour ceux qui le connaissent. et Qui est un shiq, un jeune chir, mais très très profitable. Donc sans plus tarder, l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, al l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, ad -Dimashri. Alors, pour la petite Faïda, l'imam An-Nawawi, il venait d'où Il était de quelle origine Alors, nawawi c'est un Isba qui renvoie à la ville de Nawa, qui se trouve au Cham. Et on dit Ad-Demashri parce qu'il a vécu à Damas. Il était donc damasène Donc l'imam al-Nawawi, comme certains me l'ont dit euh, tout à l'heure par écrit, vous le connaissez tous de par ces deux ouvrages fondamentaux qu'il a écrits dans le hadith al-Arba'in al-Nawawiya, dont nous faisons modestement l'explication sur notre chaîne YouTube, et le jardin des vertueux que vous avez tous forcément à la maison. Qui est un ouvrage magnifique. Bien sûr, il a d'autres ouvrages comme le commentaire de Sahih Muslim et bien d'autres ouvrages très profitables. <coughs> Savez-vous euh, comment parfois on appelle certains. C'est un livre qui traite de la biographie du prophète sallallahu alaihi wa, wa sallam en arabe, bien entendu. Alors oui, le terme c'est sira, sira, c'est pour dire la vie, la vie du prophète sallallahu alaihi wa, wa sallam. Et quel terme qui renvoie à un domaine précis de sa biographie, on emploie parfois pour traiter de la vie du prophète sallallahu alaihi wa, wa sallam. Alors, je vais vous aider en, en vous le disant en français. On parle des, de, notamment des expéditions militaires du prophète, sallallahu alayhi wa, ala alayhi wa sallam. Alors, Safwan, tu y étais presque. <laughs> à une lettre près, tu y étais presque. Al-Marazi. Kitab al-Marazi, Kitab al siyar toutes ces choses-là. Eh bien, les salafous salih euh, s'attelaient à apprendre les marazis, la, la vie et les événements du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam jusqu jusque dans ses expéditions militaires. D'ailleurs, le fils de Ibn Abi euh, Waqas, il disait euh, à, à ses enfants, ceci... C'est-à-dire, les, 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 Al-Marazi, toutes les, 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 les histoires que je vous narre de mon grand-père, hein, mon grand-père qui était compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Sa'd, Ibn Abi Waqas, pour ceux qui le connaissent, qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dans de nombreuses expéditions militaires, eh bien, il, ils transmettaient cet héritage à leurs enfants et à leurs petits-enfants, les compagnons, ainsi que les, les suiveurs des compagnons, etc. Ils léguaient cette histoire, pas juste la biographie du prophète en tant que tel, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort, etc. Ils leur disaient, dans telle bataille, nous avons fait ainsi et ceci et cela. Et qu'est-ce qu'il y avait dans telle bataille ben, En premier lieu, il y avait Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et durant ces batailles, eh bien, on apprenait également de la vie du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Comment il se comportait. Comment il se comportait avec ses épouses. Comment il se comportait avec ses domestiques. Comment il se comportait avec ses pires ennemis. Etc. 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 Donc, il, il lui disait, il disait à ses enfants Ceci est le vestige de vos ancêtres. C'est l'héritage de vos ancêtres, de vos aïeux, les, les, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Alors ne les perdez pas, ne perdez pas ces traces de biographie de vos ancêtres, car elles sont intimement rattachées à Rasoul sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Est-il possible mes chers frères et sœurs, d'être couranistes, c'est-à-dire de dire nous nous suffisons du Qur'an, nous nous contentons du Qur'an et nous n'avons rien besoin d'autre que le Qur'an. Bismillah. Alors bien sûr que non, je suis rassuré que vous me l'ayez tous dit. Du coup, nous sommes d'accord, nous devons suivre le Qur'an et la sunna. Qu'est-ce que la sunna si ce n'est la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. <coughs> Or mes frères et mes sœurs, comment peut-on connaître la sunna et suivre la sunna sans connaître l'auteur de la sunna, celui qui nous a transmis la sunna donc en réalité, il y a dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, un avantage indéniable dans le fait d'être connaisseur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et du coup, plus tu étudieras la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, et plus tu en connaîtras sur sa sunna et plus tu seras à même de pouvoir suivre sa sunna comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Coran, comme ont tendance à trop l'oublier les coranistes. Savez-vous quel autre avantage il y a à étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Je vais vous aider, quel avantage ça va nous apporter vis-à-vis -vis du Coran Alors Nathanaël nous parle du contexte, effectivement, c'est ce que j'attendais. La plupart d'entre vous, vous m'avez parlé de tafsir, c'est-à-dire que la sunna explique le Coran, elle développe le Coran. Wa sunna tu fassiru » comme on le dit dans la langue arabe. Mais le chikh Mohamed Mezyan, il nous apporte une faïda, une petite, petite information bénéfique, il nous dit que dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, il y a des informations concernant asbab an-nuzul. Savez-vous ce que ça signifie, mes frères et mes sœurs, asbab an-nuzul Je vois qu'il y a Safwan qui, qui me l'avait dit. Redouane aussi m'en avait parlé. Bravo. Par voix à ceux qui, qui, qui avaient pensé à cette, cette belle faïda. Asbab al-Nuzul, ce sont les causes de la descente des versets coraniques. Tel verset-là, pourquoi est-ce qu'il est descendu? Tel verset-là, sur qui il est descendu? Eh bien, en apprenant, en lisant, en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, on développe sa connaissance de Asbab an nuzul les causes de la descente de tel et tel verset. Parce qu'on sait que durant telle année, Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, il était dans telle expédition, et il est arrivé tel événement à Aïcha anha, et un tel et un tel ont dit ceci sur Aïcha, et tel verset est descendu pour l'innocenté. Eh bien, en étudiant la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nous avons des informations sur les causes de la descente de nombreux versets. Et de la même façon, nous avons des causes de, pas la descente, mais de la transmission de certains hadiths. Du coup, pour le hadith, on appelle plutôt ça asbab al hadith. Asbab wurudi al-hadith. Quelles sont les causes de la, le rapport de tel hadith Alors, un point que nous rappelle le sheikh Mohamed Meziane en introduction, avant d'entrer dans le vif du sujet, parmi les bénéfices de l'étude de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, il y en a qui va toucher tout particulièrement le prédicateur, le prêcheur, celui qui appelle à Allah. Mais comme on l'a vu dans le séminaire précédent, j'ai reconnu Nathanaël, Mohamed XIII, et je pense que, euh, Ardo également, je pense que euh, euh, Aïssa Esteban, j'en vois certains qui sont des fidèles d'Allahoum Mabarik. Est-ce qu'ils se souviennent, oui, Angel aussi, est-ce qu'ils se souviennent euh, de ce qu'on a dit par rapport au fait que nous soyons tous des prédicateurs en réalité On devrait tous être des prédicateurs. Pourquoi Bien sûr, comme nous le dit Umhaya qui était présente également, on doit tous l'être chacun à notre échelle, chacun à notre niveau. Je n'ai pas dit on doit tous être Cheikh l'islam, le savant du siècle, et on doit tous faire des fatwas sur TikTok et sur euh, les réseaux sociaux, etc. Non. Mais on doit tous prêcher la bonne parole, on doit tous ordonner le convenable et réprouver le blâmable. On doit tous, nous qui faisons l'effort à vingt et une heures trente du soir, au lieu d'être sur Netflix ou de ronfler ou je ne sais où, ou aux terrasses des cafés, on est là à essayer de nous cultiver, d'apprendre notre religion, de nous élever en science, d'en apprendre plus sur notre prophète. Donc, nous avons un certain degré par rapport aux insouciants et aux, et aux inconscients qui sont noyés dans Allah, dans la frivolité et, euh, et la négligence. Et donc, il est de notre devoir, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par ce soubresaut de science qu'il nous a donné, ces quelques étincelles de science qu'il nous a données, on doit transmettre cette science qu'allah subhanahu wa nous a offerte. Et quand je la transmets, c'est mot pour mot ce qu'a dit tel shir, tel savant. J'essaie pas de rajouter de moi-même en outrepassant mon niveau et mes connaissances. Et c'est déjà la meilleure des dawa. Je vais voir ma famille mes amis, mes collègues, et je leur dis, voilà, tel savant, il nous a expliqué ceci et cela. Et je recrache le cours mot pour mot. Quel magnifique da'wah Eh bien, quel rapport entre ça et l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa ala sallam, à votre avis Alors, nous sommes 213 participants. J'étais obligé de, de la placer, celle-là. Grande dédicace à tous nos frères et sœurs algériens. Que vous préserve. Ah voilà, bravo. Bravo, j'ai eu plein de bonnes réponses. En étudiant la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Eh bien, on va étudier comment est-ce qu'il faisait Darwa, comment lui il prêchait. On a tous envie de prêcher. On a tous envie de faire Darwa sur les réseaux sociaux. Mais l'envie est une chose, le savoir-faire en est une autre. On a tous envie de faire des, des layer cake kinder bueno. Mais si je sais pas comment pâtisser. Je vais me retrouver avec un, un um, semaine au, au Nutella. <laughs> Ça ressemblera à rien d'autre qu'une crêpe au Nutella. Et on sera très loin du layer cake. Eh bien, c'est pareil pour la dawa. On a on est tous motivés, on a envie de bien faire, etc., etc. C'est pas pour autant qu'on va bien faire. Et vous en êtes les principaux témoins, je pense, que sur les réseaux sociaux, nous avons plein de jeunes, fougueux, moutammesoun, qui ont un Désir de bien faire, mais qui font mal les choses et qui font plus de dégâts qu'autre chose et qui renvoient une mauvaise image de l'islam et qui salissent la voix des pieux prédécesseurs, etc. 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 Du coup, dans l'étude de la biographie du prophète, alayhi wa alayhi wa sallam, on va pouvoir prendre également de sa méthodologie comment est-ce qu'il faisait da'wah, comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis -vis des gens méchants. Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis -vis des pauvres? Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis -vis des rois, des grands dirigeants de ce monde? Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis -vis de ses ennemis? Comment, qu'est-ce qu qu'il nous a dit? Comment il nous a appris à nous comporter vis-à-vis -vis des innovateurs, etc., etc.? Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis de ses épouses, vis-à-vis -vis des animaux? celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam ne va-t-il pas apprendre de lui la meilleure de toutes les méthodologies la meilleure de toutes les voies comment faire da'wah, quand faire da'wah comment, avec dureté ou avec sagesse, ou avec douceur etc, etc, et vous verrez que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam était un modèle de perfection en cela <coughs> Donc comme je vous le disais, cher Mohamed Mézien nous dit que ça concerne tout particulièrement les prédicateurs et les Douat, ceux qui appellent à l'islam, mais étant donné que nous sommes tous censés être des prédicateurs à l'islam à notre modèle échelle, et plus encore vous, mes chers frères et sœurs, qui vous trouvez en, en terre de coufle, en terre de mécréance, vous avez une image à renvoyer de l'islam. Vous êtes sans vous en rendre compte, et sans le savoir, des émissaires de l'islam, des représentants de l'islam. Les gens, lorsqu'ils te voient, Ourti avec ton voile, c'est l'islam qu'ils voient. arrête ah, toi, lorsque les, 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 les mécréants te voient avec ta barbe, ou avec ton kamis, ou qu'ils te voient sortir de la mosquée, c'est l'islam qu'ils voient sortir de la mosquée. Et ils font des amalgames, effectivement, mais ils ne vont pas chercher plus loin. Pour eux, une fille voilée, c'est ça l'islam. Si la fille voilée, elle fait des bêtises, on va imputer ça à l'islam. Si celui-là, cet arabe-là en kamis, il m'a volé, je, voilà, je il devait me rendre 5 euros, finalement, il m'a rendu que 3 euros, il m'a volé, eh ben, je vais dire, voilà, l'islam, c'est des voleurs, les musulmans, c'est des voleurs, etc., etc. Donc, nous avons vraiment une responsabilité énorme de da'wah. Et on doit faire très attention à notre comportement. Et pour apprendre ce comportement, quoi de mieux que d'apprendre et d'étudier la biographie du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa Et enfin, qui euh, saurait me trouver une dernière faïda Parce qu'il y en a plein des fawaïds, hein. il y a plein d'avantages de, de, à étudier la sirah. Qui pourrait me parler Qui pourrait me trouver un dernier avantage à étudier la sira du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et pour vous aider, pour vous mettre sur la piste, euh, faites attention à ce que je viens de dire en arabe après avoir dit cette chose là en français. Qu'est-ce que j'ai dit en arabe Alors bien sûr. On m'avait apporté plein de, plein de bonnes réponses, on est d'accord. Mais il y en a une à laquelle ben, je vois que aucun d'entre vous, parmi ceux qui m'ont répondu, bien sûr, ceux qui font l'effort de me répondre et qui ne me laissent pas parler tout seul, pour l'instant, je n'ai pas vu cette réponse-là. Quel est l'avantage d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam? Alors je ne vous contredis pas dans toutes les bonnes réponses que vous m'avez apportées. Hein. Je vous ai dit il y a plein d'avantages. Et d'ailleurs, si on devait citer tous les avantages, on ne ferait pas un séminaire de deux semaines, on ferait un séminaire de trois semaines. Le cher Mohamed Mézien, il nous dit étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Est ce que c'est autre chose qu'étudier les hadiths? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, si ce n'est le rapport de tous ses faits et gestes et paroles Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a euh, cautionné. Et ça, on le trouve où Si ce n'est dans le hadith. Du coup, quand j'étudie la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, eh bien, j'étudie sans me rendre compte al hadith. Et qu'est-ce que l'étude du hadith Si ce n'est l'étude de la religion, puisque toute notre religion, c'est Al-Kitab wa Sunnah. Le livre d'Allah et la sunnah du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa Donc lorsque j'étudie la biographie du prophète, alayhi wa alayhi wa sallam, en réalité, je ne fais rien d'autre que d'étudier ma religion tout entière, premièrement. Deuxièmement, je lis de nombreux hadiths du messager d'Allah sallallahu alaihi wa ala sallam. Donc là, vous êtes gâtés. Vous avez deux séminaires pour le prix d'un. Je vous facture pas le double. <laughs> je vous facture pas un deuxième séminaire qui en réalité va être un séminaire de hadith. Sans même que vous vous en êtes rendu compte. Et troisième faïda. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un hadith? et que le nom de, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam est évoqué Ou qu'est-ce qu'on devrait faire normalement Qu'est-ce qu'il convient de faire Bravo ami Convient, bravo Maïmouna Convient de prier sur lui On dit sallallahu alayhi wa sallam, ou sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, ou alayhi salat wa sallam. Tout, n'importe quelle euh, prière euh, vous, 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 vous plaît, Al-muhim, l'important, c'est que vous priez sur lui lorsque son nom est évoqué. Là, depuis le début du cours, moi, <laughs> j'ai pas compté, hein, mais je sais pas combien de, de, de prières j'ai dû faire sur le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, alors que ça fait qu'une demi-heure qu'on qu a commencé. Et si vous l'avez remarqué, on n'a on même pas encore commencé réellement, c'était juste une introduction. Que dire de celui... Qui prend des dizaines de cours, qui lit des livres de 200, 300, 400 pages sur la biographie du prophète sallallahu alaihi wasallam. Alayhi wa Combien de fois aura-t-il prié sur le prophète sallallahu alaihi wasallam alayhi wa à la fin du séminaire, à la fin du du du, du, du livre Et j'espère que vous derrière votre écran, quand je parle de, du messager d'allah sallallahu alaihi wasallam, wa vous même vous dites sallallahu alaihi ou vous dites, je vous ai dit n'importe quelle formule. Mais si possible, mes frères et mes sœurs, ne délaissez pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa lorsque son nom est évoqué. Du coup, là, c'est un séminaire tout particulièrement dédié à lui. On va parler que de lui. Donc j'espère que rien que pour ça, que pour toutes les prières que nous aurons faites, sur notre prophète bien-aimé mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam. Rien que pour ça, j'espère qu'on sortira de ce séminaire avec un, un maximum de hasanat. Des milliards, prêtons-nous à rêver. Est-ce que cela est, est, est impossible à Allah Est-ce que cela est difficile à Allah, subhanahu wa ta'ala Lui qui est le généreux, al-karim, al-rani, le riche par excellence. Alors que dire si en plus, on rajoute à ces... Hassanat qui découle simplement de la prière sur le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, toutes les Hassanat inhérentes à l'étude de notre religion, à l'étude du hadith, etc. etc. Au fait d'enlever l'ignorance de notre propre personne, comme nous l'avons vu dans le séminaire précédent. <coughs> Donc on a fini sur l'introduction. Donc on rentre réellement dans le vif du sujet. Alors sachez... L'imam al-Nawawi, de la même façon que c'était le cas pour euh, euh, le, la playlist que nous avons enseignée sur YouTube, Murtasar Sirat Siratin Nabi de l'imam euh, Abdel al Ghani al-Makdesse, ce n'est pas une biographie qui a été compilée de manière chronologique, dans le sens, voilà, en l'an 0, naissance du prophète. Euh, en l'an 10 de sa naissance, il s'est fait, il y, a, il y a eu ceci et cela. en l'an 20, il y a eu ceci et cela. 40 ans après sa naissance, il y a eu ceci et cela. c'est pas comme ça. ça n'avait pas été classé comme ça. c'est plutôt classé par chapitre. premier chapitre, sa naissance. deuxième chapitre, euh, ça, ça, non, même pas le premier chapitre, c'est sa généalogie. vous voyez, deuxième chapitre, ce sont ses noms et ses surnoms, ce qu'on appelle une kunia. Qui n'a pas d'équivalent en français. Troisième chapitre, sa mère. Quatrième chapitre, sa naissance. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément un ordre chronologique. Contrairement à d'autres livres, comme par exemple Le Nectar Cacheté, à al-Martoum, qui eux sont vraiment écrits et rédigés de manière très chronologique. Ceux qui préfèrent ce, cette façon de lire une biographie, ils trouveront leur compte pleinement dans Ar-Rahiq al-Martoum, Le Nectar Cacheté. Alors, premier chapitre de ce livre, Nasabuhu. An nasab c'est la généalogie. Quelle est son ascendance Alors, qui d'entre vous serait capable. Alors, déjà, dites-moi, qui d'entre vous connaît les cinq premiers ancêtres du prophète alayhi wa alayhi wa sallam, Qui est capable de me dire qui est son père puis son grand-père puis son arrière-grand-père, etc., etc. Alors, il y, y a Salam Koukou. Si je te donne la parole au micro, Salam Koukou, tu vas être capable de me dire, « Oua Mohamed ibn Abdillah, ibn untel, ibn untel, ibn untel. » Alors, il me dit oui. Alors, alors, lève la main, Salam. On va t'interroger. Lève la main pour que je puisse te donner la parole. Si tu sais comment faire. <coughs> bon, Salam Coucou, il a du mal. Qui d'autre que Salam Coucou est capable, bien sûr, sans googliser, sans chat GPT, sans tricher. Il y en a, y en a pas mal qui se sont arrêtés à 3. Moi, j'ai dit qui va arriver à m'en donner 5. Alors, je vais voir Mohamed Ali, combien il m'en a donné

ibn Hashim ibn Abd manaf Ibn Hashim hein, c'est un Ha Ibn Hashim ibn Abd manaf Ibn Kilab Non Ibn Kusey, Ah tiens versé Tu as versé ah, Ouais Ibn Kileb ouais. Ibn Moura Ouais Ibn Rouay euh, Ibn Kar Ibn, ah. ibn Rouay ah, Bravo Ibn Ralib. Ibn Radib Ibn Fir, Ibn Malik ابن أندر. ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس مدركة ابن مدركة ابن إيش. ابن مدر ابن نزار ابن مدر ابن نزار ابن معب. معد ابن معد معد Bravo, salam. J'espère que tu pas triché parce que je suis très impressionné. À part deux, petits, deux petites inversions que tu as faites malgré que tu avais bien les prénoms, tu as, bah, tu as réussi à nous citer bah, la, la, la généalogie qu'on appelle muttafaqun alayha, C'est-à-dire que c'est le nasab du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam sur lequel les savants sont unanimes. Jusque-là, les savants sont unanimes. Alors on va le répéter tout doucement. Et bravo à tous ceux qui euh, m'ont écrit quand même pas mal de bonnes réponses, s'ils sont remontés jusqu'à euh, 3. Il y a un Nabil par exemple qui nous avait trouvé Abdallah, Abdelmutalib, Hashim, Abdelmanaf. Donc bravo à vous tous et surtout bravo à notre frère Salam qui, alors là, nous, nous a fait le, le grand chelem. Allahu barik. Il ne voulait plus s'arrêter. Vraiment, quelle, quelle belle surprise. Hein Après, je sais que peut-être que le frère Salam, euh, il a grandi au Bled et je sais que qu'au Bled. Euh, les petits-enfants, les petits-écoliers, souvent à l'école primaire, on leur fait apprendre comme ça par cœur euh, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa, ala alayhi wa sallam. Pendant que nous, on apprenait une souris verte qui courait dans l'herbe, eh ben, dans les terres d'islam, on leur apprend la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa, ala alayhi wa Et après, nous avons des charlatans qui nous disent que la seule différence entre les terres d'islam et les terres de Kufr, c'est la dhan. « Walla hawla wa la quwwata illa billah » هو محمد الإمام النووي رحمة الله عليه الإمام النووي ندي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله إلى محمد لم يسجد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوفيزد عبد الله دك لوباغ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابغ عبد الله عبد الله سابخنة Du coup, le père de Rasulullah sallallahu alayhi wa, wa sallam, il était musulman euh, Vous Attendez, vous, vous êtes rigolo. vous me dites tous non, et il s'appelait bien Abdullah, non Comment vous pouvez me dire qu'il n'était pas musulman alors que je viens de vous dire qu'il s'appelait Abdullah et je viens de vous dire que tous les savants sont unanimes sur cette. Généalogie. Bravo à Ryan Chaouche, qui a, qui a bien assimilé les séminaires précédents. Et bien, bravo à, à tous ceux qui m'ont apporté la, la même réponse que celle de notre frère Ryan. C'est que oui, il s'appelait Abdullah, et pourtant, il était mécréant. Et alors <laughs> Où est le problème là-dedans? Est-ce que les Quraishites, est-ce que les associateurs ne croyaient pas en Allah? C'est-à-dire qu'ils avaient 360 idoles, mais Allah, ils croyaient pas en lui. Non, Allah, on connaît pas, on sait pas c'est qui Allah. Nous, on connaît que Allah, Uzzat, Manaf, etc. Mais Bien sûr qu'ils croyaient en Allah. C'est d'où l'association. Ils ont associé à Allah. Donc, ils croyaient en Allah. Ils croyaient même plus loin. Ils disaient que de toutes ces divinités, il n'y en avait qu'une seule qui était élevée au statut de Seigneur. Et le Seigneur, c'est un petit peu le Maître des Divinités. C'est celui qui crée, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui, fait, qui, qui donne la subsistance, etc. Eh et bien, les Arabes, associateurs, reconnaissaient la seigneurie à Allah seul. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Comment ont-ils pu être détournés à ce point-là pour ensuite détourner l'adoration d'Allah à autre que lui alors qu'ils reconnaissaient que c'était lui qui pourvoyait leur subsistance, que c'était lui qui les avait créés, c'était lui qui organisait toutes les choses? Donc bien sûr que les associateurs croyaient en Allah, à tel point qu'ils reconnaissaient même sa seigneurie unique. Ils étaient ce qu'on appelle monothéistes dans la seigneurie, mais ils n'étaient pas monothéistes tout court. Parce que pour être monothéiste tout court, il faut euh, affirmer les trois composantes de l'unicité d'Allah subhanahu wa taala. Il faut reconnaître son unicité dans sa seigneurie, mais aussi dans sa divinité. Et le tawhid de la divinité, c'est le tawhid de l'adoration. Ça veut dire que mes adorations, elles ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa taala en toute exclusivité. Et c'est surtout dans ce tawhid là que péchait. Les associateurs. On va pas s'engager dans un cours de Tawhid, même si je sens que que, 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 que ça vous plairait. On en a déjà donné euh, plein qui sont disponibles sur YouTube. N'hésitez pas euh, à y retourner pour plus de détails là-dessus. Donc, bien sûr, que oui, s'appelait Abdullah, parce que les Quraysh, les Arabes, croyant en Allah. Subhanahu wa Mais par contre, ils lui spoliaient Allah ou il, il ne voulait pas lui concéder le droit en toute exclusivité à l'adoration. Il se refusait de l'adorer lui seul. Il persistait pour adorer Allah et d'autres qu'Allah, à tel point que parfois ils adoraient même leurs statues et leurs idoles et ils les vénéraient et ils les craignaient plus qu'ils ne craignaient Allah. Ils leur faisaient des offrandes plus qu'ils n'en faisaient à Allah lui-même. Donc on revient à notre généalogie. Effectivement, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam s'appelait Abdullah et il était mécréant. Il est mort sur le coufre Son grand-père à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes très nombreux à me l'avoir. Alors bien sûr, là on est dans la généalogie, dans l'ascendance du côté paternel. Donc on voit tous les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam à chaque fois d'un point de vue paternel. Le père... Du père, du père, du père, du père, du père, du père, du père de Rasoul Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. On ne va pas s'occuper des mères ou de sa euh, grand-mère maternelle, etc., etc. Donc son grand-père paternel, c'était Abdul Muttalib. Alors, qui d'entre vous, en dehors de Salam, parce que je suis sûr que notre frère Salam il a la bonne réponse, qui d'entre vous sait pourquoi Abdul Muttalib s'appelait ainsi Déjà en français, qu'est-ce que ça veut dire Abdul Moutalib Si vous savez ce que ça veut dire Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, eh bien vous savez ce que ça veut dire Abdul Moutalib. Voilà, ça signifie le serviteur d'Al-Moutalib. Alors, je vais vous poser une question introductive. <coughs> Déjà j'ai perdu Ayoub, qui d'habitude a toujours les bonnes réponses. Euh, Est-ce qu'il est permis de s'appeler Abd quelque chose d'autre qu'un des noms d'Allah J'ai le droit de m'appeler Abd et n'importe quel nom parmi les noms d'Allah. Est-ce que j'ai le droit de m'appeler Abd al-Rasoul Abd nabi Je crois qu'il existe ce prénom chez certains maghrébins Abdenbi, qui vient de Abd nabi est-ce que c'est autorisé de s'appeler « abd » et quelque chose qui ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors bravo à tous ceux qui m'ont dit non. Effectivement, les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'est pas autorisé de s'appeler par « abd » puis n'importe quel nom autre qu'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté Abdul Muttalib. Sur ce nom-là, Abdul Muttalib, les savants ont divergé. Il y en a qui ont dit c'est interdit également et on n'a pas le droit d'avoir pour dénomination Abdul Muttalib, donc n'appelle pas ton enfant ainsi. Et il y en a qui ont autorisé uniquement Abdul Muttalib. On va pas rentrer dans, dans, dans un cours de fiqh en expliquant pourquoi, quels sont les, les tenants et les aboutissants des deux paroles. Juste retenez que Wallahu A'lam, la vie le prépondérant, <coughs> et Allah est plus savant, c'est que ce n'est pas autorisé même pour Abdul Muttalib. Donc Abdul Muttalib, cest dire le serviteur d'Al-Muttalib. Savez-vous pourquoi le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a été nommé ainsi Donc du coup, les savants sont unanimes qu'on peut s'appeler. Euh, Abdul Rahman, Abdul Rahim, etc., le serviteur du tout miséricordieux, etc., etc. Mais on n'a pas le droit de s'appeler le serviteur de un tel qui n'est pas Allah Subhanahu wa Sauf pour Abdul muttalib où il y a divergence, et l'avis le plus correct, Wallahu c'est que ce n'est pas autorisé également pour Abdul muttalib même si certains ont vu que c'était l'exception, entre guillemets, qui confirmait la règle. <coughs> Alors Al-Mut c'était un prénom. Alors bravo à Buse qui m'a apporté une partie de la bonne réponse. Mut Talib, c'était l'oncle de Abdul Talib. Du coup, pourquoi on l'a appelé le serviteur de al qui était son oncle Et Mouchacho qui a... On va dire qu'il y a 95% de la bonne réponse. C'est juste qu'il m'a parlé du père, alors que ce n'était pas le père, c'était l'oncle. En fait, lors d'un voyage, Al-Muttalib, donc l'oncle de Abdul Muttalib, il avait pris justement son neveu, Abdul Muttalib, qui ne s'appelait pas ainsi. Et je vous poserai la question, d'ailleurs, si je vous la pose tout de suite. Comment s'appelait-il en réalité Quel était son prénom Puisque Abdul Muttalib, c'est en fait un surnom qu'on lui a donné. Ah, bravo Yassine, bravo Urti bravo Salam Koukou. Ah, Salam Koukou, il est au taquet, là. Sur... Là, c'est son séminaire, là. Là, je sens qu'Inshallah va briller de mille feux durant tout le séminaire, Inch'Allah. Il s'appelait Shaiba, Shaiba Hamd. Donc, son prénom, c'était Shaiba de base, à Abdul Muttalib. Il était en voyage avec son oncle Al Muttalib. Et c'était un petit enfant à ce moment-là. Et donc il était un petit peu d'apparence négligé. Et euh, lorsque les, 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 les villageois ont vu Al-Mutalib à dos de monture avec euh, un petit enfant négligé comme ça, non soigné derrière lui, ils lui ont dit :« Qui est cet enfant ?» Et lui, il a eu honte de dire :« C'est mon neveu, c'est le fils de mon frère. » Alors que voilà, il est mal, euh, il est mal, euh, comment on appelle ça Il est négligé. Donc il a dit, c'est mon esclave. Donc les gens euh, l'ont appelé Abdul Muttalib. C'est le serviteur, le domestique d'Al-Muttalib. Parce qu'il a eu honte de le présenter comme étant son neveu à cause de son accoutrement et de, sa, euh, de son apparence. <coughs> Donc voilà pourquoi il s'appelait, on l'a surnommé Abdul Muttalib, alors qu'en réalité il s'appelait Shaibatul Hamd. Donc Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, c'est le fils de Abdullah qui est lui-même le fils de Abdu'l-Muttalib. Donc Abdu'l-Muttalib, c'est le grand-père paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui est le fils de Hashim. Donc tu feras bien attention, Salam, c'est bien Hashim avec un H. Ha. Donc Hashim, c'est l'arrière-grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et voilà pourquoi les aficionados de, de tarikh, D'histoire avec un grand H parmi vous, vous avez déjà pu entendre parler de les Hachémites, les Hachémites, ça vient de là, La, les, les descendants de Hashim. Ensuite il y a Ibn Abdimanaf, il y a plutôt Abdou Manaf Hashim était le fils Ibn de Abdimanaf, donc Abdou Manaf on est où là On n'est pas, on a parlé de l'arrière grand-père, donc c'est l'arrière arrière grand-père du Messager d'Allah sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam le père de abdou Manaf, c'était Conseil. C'est là que Salam il avait un peu inversé. Donc le l'étage au-dessus de abdoumanaf Manaf, c'est Conseil. Conseil pour ceux qui veulent l'écrire avec un kaf et un sad, Conseil et une chatda sur le ya. Le père de Conseil, c'était Kilaab. Kilab. Le père de Kilab, c'était Mourra. Moura. Le père de Mourra, c'était Karb. Karb, c'est un prénom que je pense vous connaissez tous. Il a assez connu Karb. On avait des compagnons qui s'appelaient Karb, notamment al Ka Ahbar. Le père de Karb, c'était Louey. Louey. Le père de Louey, était Ralib. Le père de Ghalib était Fihr. 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 Dont le père était Malik. <laughs> le père de Malik était Anadr. An Anadr avec un bad et non pas un dal. Anadr. An le père de Anadr An était Khouzaïma. Khouzaïma, je pense que c'est un prénom que vous connaissez un petit peu. Khouzaïma. Le père de Khuzaima était Mudraka. Et non pas Mudrika Salam. Mudraka. Le père de Mudraka était Ilias. J'ai lu Kinana. Il y a Samir qui me, pose, qui, qui me parle de. de, de, de je l'ai sauté, Kinana. Alors le père de Nadr, c'était Kinana. Merci Samir pour la, le tanbih, l'avertissement. Donc le père de Amadre c'était Kinana. De toute façon après je vais le relire d'une traite. Comme ça vous, vous, vous aurez toute l'ascendance la, d'une seule traite. Donc le père de Amadre était Kinana. Puis le père de Kinana était Hozaima. Puis le père de Hozaima était Mudraka. Puis le père de Mudraka était Ilyas. Ilyas, qui est un, un, un prénom que vous connaissez tous. D'ailleurs cher Mohamed Mizian, ou je crois que c'est l'imam Nawawi qui nous le dit oui c'est l'imam Nawawi qui nous dit Ilyas, Bi wasl bi Qui sait quelle est la différence entre hamza Wasl et Hamzatu Qat'a Qui d'entre vous a fait un peu de tajwid Tous, je l'espère. J'espère que vous avez tous des notions de tajwid pour connaître la différence. Alors, ce n'est pas forcément du tajwid c'est aussi du, de la langue arabe pure. Alors, bravo Ayoub. Hamzatul Wasl, quand on lit le mot, on ne prononce pas le Hamza, justement. Donc ça devient Waliyas, Ibnuliyas. Alors que lorsque c'est un Hamzatul Qatr, on s'arrête sur la Hamza, on dit Wa-Ilyas, Petite subtilité. Donc les deux ont été rapportés par rapport à Ilyas. Voilà, c'est pourquoi Redouane il fait bien de m'écrire, parfois on écrit Ilyas, avec directement le L. L-Y-E-S par exemple. Et c'est vrai que c'est deux versions du prénom qui existent et qui étaient connues. Donc le père de Ilias était Moudar. Alors il y en a plein qui, qui me disent que dans la traduction de Taouba, c'est Moudreka. Il a été élu sur Sheikh Mohamed Mezian Moudraka. Et Mohamed Mazian nous parle de Moudraka. Et l'imam al-Nawawi l'a euh, euh, corrigé ainsi, Mudraka et non pas Mudrika. Donc, est-ce que c'est une langue qui existe pour Mudraka, Allahu Est-ce que c'est une erreur de, de, de votre édition? Je ne sais pas. Moi, je préfère m'arrêter à la version que je connais, Mudraka. Le père de Mudar était Nizar. Nizar, peut-être que c'est un prénom que vous avez déjà entendu aussi. Nizar. Le père de Nizar est Ma'ad. Et enfin, le père de Ma'ad est Adnan. Bravo. Et ainsi, on a terminé la, biographie du, la généalogie du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, sur laquelle les gens de science sont unanimes. Ils sont unanimes que ça, c'est sa généalogie. Ensuite, est-ce que vous connaissez une autre unanimité au-delà de Adnan Bravo. Bravo. vous avez été nombreux à m'apporter la bonne réponse, c'est Ismaïl. La deuxième unanimité, c'est qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, il est descendant de Ismaïl. Et troisième unanimité. On est tous sûrs qu'il descend de Adam. <laughs> on est unanime là-dessus, on descend tous de Adam. Contrairement à ce que pensent les koufars qui pensent descendre du, du chimpanzé. Subhanallah. Donc, on, est, on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, sa généalogie, elle est telle qu'on vient de la citer. On va la re reciter pour clôturer le cours, inshallah, jusqu'à Adnan. Ensuite, on sait qu'il est aussi descendant de Ismail Rasulullah. Le prophète Ismaïl. Ismaïl, c'était le fils de qui? De quel immense prophète? Sallallahu alayhi wa sallam, de Ibrahim Khalilullah Ismaïl, c'était l'enfant, le fils de Ibrahim, le très aimé d'Allah subhanahu wa taala. Donc on sait que Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa est issu de la postérité. De Ismail, Rasulullah, qui est lui-même issu de la postérité de Ibrahim Khalilullah, le, bien -aim, le euh, très aimé d'Allah, et prophète et messager. Parmi les Ulul Azm, doit-on le rappeler, parmi les cinq doués de résolution, les cinq meilleurs messagers, il y avait Ibrahim parmi eux. Et la plupart des savants le classent comme étant le deuxième meilleur prophète. Après notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wasallam. Maintenant, là où les savants divergent, c'est entre Adnan et Ismail. Alors là, il y a beaucoup de divergences. Pour remonter les maillons manquants entre Adnan et Ismail, les savants ne sont pas d'accord, il y a divergence. Là où ils sont d'accord, c'est jusqu'à Adnan, puis on est d'accord que parmi ses ascendants, il est le descendant de Ismail. Donc on va terminer le cours en récitant une dernière fois d'une seule traite sa généalogie et on se retrouve inshallah à demain même heure pour poursuivre cette noble biographie du prophète sallallahu alaihi wa wasallam. Donc il est Muhammad. Alors sachez que quand je dis ibn dans la langue arabe ibn ça veut dire fils. Ce que les Français écrivent parfois par ben un tel ben un tel. Ça, ça, Alors, il y a Nawel qui nous l'a euh, carrément recopié à l'écrit. Allahumma barik, quel boulot. Ça demande du boulot. Eh bien, j'espère que la sœur Nawel en fera profiter tous ses contacts sur les réseaux sociaux et qu'elle qu publiera ce, cette belle généalogie afin d'en prendre la récompense, inshaAllah. Donc, c'est Mohamed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, Ibn al-Muttalib Abdil Ibn Hashim, ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان et ainsi se termine Notre cours d'aujourd'hui, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis euh, rendez-vous à demain, inshallah si le séminaire vous intéresse toujours. Moi, je serai à l'heure, bi'ivni Allah ta'ala. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadwan la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد علي مديك لو بوزيان ابو سهيل، نوتخ الشيخ بوزيان ابو سهيل مو السلام، ابيان وعليك وعليه السلام، رتورن لوي الْسَّلَامَ السلام. وصلي اللهم على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.